L'étude en ex-influence, elle permet de mieux connaître une cible qui est particulièrement stratégique, parce que c'est la seule étude sur le marché, il n'y en a pas d'autre, qui analyse une population qui est incontournable pour les annonceurs, hein, parce qu'elle a trois particularités, cette cible. C'est le pouvoir d'influence, de par son statut et sa position dans la société. Le deuxième, c'est le côté précurseur, puisque quand on suit en fait ces cibles, on voit en fait qu'ils repèrent en avance les tendances et qu'ils ont un fort pouvoir de prescription. Et donc, ça va ensuite se propager au reste de la population. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est une cible tout simplement qui a un poids économique qui est hyper fort et donc qui a un niveau de consommation qui est très, très élevé. Donc, ultra sélective et très fort pouvoir de prescription. On a fait cette année, au sein de notre étude OneX Influence, un focus sur les femmes top card et top revenus, puisqu'il y a une vraie tendance de fond d'une progression très forte du nombre de femmes cadres en France. Je pourrais vous en parler. Après, sur la population totale influence, eh bien, tous les ans, donc on met en avant effectivement leur consommation, le fait qu'ils soient une population qui surconsomme les marques de presse chaque mois, hein, puisque 96,5% consultent au moins une marque de presse chaque mois. C'est une population qui a confiance dans la presse parce qu'ils décrivent la presse comme le média qui permet, leur permet de traiter l'information avec le plus de recul, qui leur permet d'avoir les informations les plus complètes, mais aussi les plus fiables, les plus commentées, les plus analysées. Donc c'est une cible qui est vraiment super importante pour le média presse. Après, sur cette étude, on analyse aussi leur comportement sur une dizaine de secteurs et à peu près 200 marques, donc vraiment sur leur consommation produit. On sait que cette population influence utilise la presse comme source d'information et donc c'est le premier média qu'ils utilisent souvent sur les secteurs pour avoir des informations, que ce soit sur l'automobile, etc. C'est vraiment un réflexe. Parce que aussi, la publicité fait complètement partie du contrat de lecture et du plaisir de lecture de la presse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la presse leur permet aussi, de façon complètement intégrée, de découvrir des nouvelles tendances. Après, comme tout le monde, hein, la population influence est partagée entre le mobile et le papier dans leur support. Ils suivent aussi beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses, etc. Ce qui était intéressant cette année, c'est que, donc, ce que je te disais tout de suite, on a fait un focus sur les femmes top card et top revenus. Donc, c'est 950 000 femmes qui sont concernées. Et en fait, depuis 2020, on a fait un parallèle avec la première étude qu'on avait sortie donc, en 2020, donc il y a 5 ans. Et en fait, il y a une progression de plus 14,8%. Donc, c'est énorme. Il y a plus 15% de femmes influence, alors que le reste de la population influence, en 5 ans, il a progressé de 7%. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment une tendance de fond des femmes cadres en France. Donc, ça, c'était vraiment flagrant.